allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo FAQ, réponse à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc n'hésitez pas dès maintenant à me rejoindre d'ailleurs sur ce réseau social. Vraiment c'est là où je suis le plus active avec YouTube. Je me mets tout doucement à TikTok. D'ailleurs, si vous voulez retrouver mes aventures canadiennes et un petit peu les différences entre la France et le Canada, je pense que ça se passera sur TikTok, parce que mon Instagram il est toujours un petit peu plus varié, où je parle un peu de ma vie de maîtresse, de ma vie de nouvelle immigrante, on va dire ça comme ça, et de ma vie tout court. Mais TikTok, je pense que je vais vraiment le consacrer beaucoup plus au Canada, donc je vous remets aussi mon petit TikTok ici. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à vos questions. Vous avez été nombreuses sous ma vidéo on déménage, voilà, à me poser plein de questions sur ce déménagement, cette expatriation au Canada. Évidemment, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions précises, parce que vous avez été d'ailleurs très nombreuses à me poser des questions sur la résidence permanente, que ce soit sur Instagram ou en message privé. Vous étiez vraiment, j'ai eu beaucoup de messages. Donc j'ai noté tout ça dans mon petit carnet spécial Canada. Et j'y reviendrai dans une autre vidéo pour tout ce qui est résidence permanente, les étapes, quel site, etc., etc. Là, j'ai vraiment parlé de plusieurs points. D'ailleurs, il y a 4 points. Et je vais vous expliquer un petit peu tout ça en détail. Le premier point qui va être tout de suite, c'est pourquoi je décide de partir au Canada. Pourquoi? Est-ce que je vais vraiment vivre au Canada? Voilà, c'est ce genre de questions que j'ai eues aussi au départ. Et est-ce que j'ai la résidence permanente? Première question, donc est-ce que je vais vivre au Canada? Oui, comme je vous l'ai annoncé dans ma vidéo déménagement et je ne sais plus comment l'autre s'appelait, mais en tout cas mon blabla avec les nouveautés, je vous mets tout, de toute façon c'est des vidéos sur, dans la barre d'infos, mais je vous annonçais que je partais vivre au Canada. Donc oui, nous déménageons, nous vidons cette maison que vous voyez là encore un peu potable et go au Canada, où nous allons devenir des immigrés ou des expatriés canadiens. Pour répondre à une deuxième question, est-ce que nous avons la résidence permanente? Oui, nous venons juste de l'obtenir. Pareil, je vous avais fait un vlog où on découvrait les papiers, où on a eu des petites galères d'ailleurs par rapport à ces papiers-là. Je pense que je vous ferai vraiment une vidéo dédiée à la résidence permanente et l'expatriation au Canada, parce que c'est vraiment compliqué, on va pas se mentir. C'est faisable, parce que si on a réussi à y arriver, c'est que vous aussi vous pouvez. Mais voilà, il y a des étapes dans le processus, beaucoup d'étapes. Heureusement que mon chéri était vraiment au taquet, et d'ailleurs quand je ferai cette vidéo, j'essaie de le motiver encore à être avec moi sur la vidéo pour pouvoir expliquer, vous expliquer mieux que moi. Mais il est pas chaud patate. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre dès maintenant un like. Comme ça, peut-être que je pourrais le motiver, lui dire « Oui, ils veulent que tu viennes dans la prochaine vidéo. » Mais si vous voulez qu'il soit là et que vous voulez voir cette vidéo sur l'expatriation au Canada, la résidence permanente, n'hésitez pas à me mettre un petit like et à vous abonner. C'est pas encore fait. Et puis un petit message d'encouragement pour le motiver. Ça peut peut-être... faire la différence. Donc pour la résidence permanente, oui, on a demandé une résidence permanente et pas un PVT, parce que le PVT c'est pour les moins de 35 ans, ce qui n'est pas notre cas, hein. Cette année j'ai bientôt 40 ans, donc on était hors limite entre guillemets, et entre 35 et plus, bah c'est... Alors vous pouvez faire un contrat fermé, c'est-à-dire que vous trouvez d'abord le travail et eux vous vous aidez dans la procédure d'immigration, mais du coup vous êtes dans un contrat fermé et pendant 2 ans vous devez travailler avec cet employeur. Mais moi, enfin nous, on n'a pas eu envie de ça. On voulait vraiment être indépendant et trouver après notre emploi et pouvoir après voyager sans problème, etc. Et ne pas avoir cette contrainte d'être dans un contrat fermé. Donc après, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, c'est possible de faire aussi un contrat fermé, de trouver d'abord votre employeur, votre travail et de passer par l'employeur pour pouvoir obtenir 2 ans au Canada. Ce qui est tout à fait possible, pardon. Mais pour la résidence permanente, là, logiquement, c'est pour 5 ans, si je ne me trompe pas, ou renouvelable, et après on peut demander la citoyenneté. Donc j'espère ne pas me tromper. Vraiment, j'essaierai de vous remettre les sites s'il faut, ou mettre une annotation si j'ai dit des bêtises. Mais en tout cas, c'est pour quelques années, et je ne suis pas obligée de travailler avec un employeur spécifique, c'est-à-dire que pendant 1 an je peux travailler avec un employeur et puis finalement ça me plaît pas, changer au bout d'1 an, j'ai pas d'obligation. Et la résidence permanente vous offre quand même pas mal d'avantages. D'ailleurs, un des avantages, c'est que le Canada vous offre pendant 1 an à toute la famille des nouveaux résidents accès à tous les musées, etc., gratuitement, et ça pendant 1 an c'est pas négligeable. Donc on va se faire plaisir, on va voyager, ça va être trop cool. Donc ça c'était la première partie avec vos questions sur vivre au Canada, est-ce que vraiment je vais partir, etc. Le pourquoi de mon départ est tout simplement une envie d'aventure, une envie de changement pour cette anniversaire qui arrive. Je vous ai dit, je vais avoir 40 ans avec mon mari. L'année dernière a été compliquée, ça je vous l'avais expliqué dans ma vidéo make-up blabla. Et du coup, on avait envie de changement. On s'est dit voilà, c'est quelque chose qui nous trottait dans la tête depuis des années. C'était un petit peu un rêve. Et puis voilà, on s'est dit c'est le moment, on y va, let's go. On se lance dans la procédure, dans les paperasses. Et ça a abouti. Je vous avoue que j'ai peur et en même temps j'ai hâte d'être au mois de juillet pour notre grand départ. Mais ça va être une trop belle aventure. J'espère que vous serez au rendez-vous. Donc voilà pour les réponses. Est-ce que je fuis quelque chose? Non, je ne fuis rien. J'avais juste envie de changement, de motivation, de nouveauté, de nouvelle ère. Ça fait 6 ans que je suis dans le Nord. J'ai adoré ces 6 années ici, malgré les difficultés que j'ai eues l'année dernière. Aucun regret, je suis vraiment très heureuse d'être venue dans le Nord. J'étais très heureuse d'avoir vécu aussi en région parisienne, près de Paris, pendant aussi 8 ans. Et voilà, j'ai fait plusieurs départements comme ça. Et là, vraiment, une nouvelle aventure s'offre à nous. Un nouveau petit rêve. Et donc, on s'est dit... Voilà, comme je vous dis, comme un petit déclic. Vous savez, ceux qui font la crise de la quarantaine et qui quittent leur femme, bah non, nous, on quitte la France. Le deuxième paragraphe, c'est le métier, parce que vous avez été nombreuses à me poser des questions sur mon métier. Bah, qu'est-ce qui se passe pour ton travail? Comment ça va se passer au niveau de l'éducation nationale, etc. Alors, une des premières questions, c'est que se passe-t-il pour mon métier? Est-ce que tu vas être en disponibilité? Est-ce que tu vas continuer à être prof? Là, cette question, je l'ai eue énormément de fois. Alors... je vais continuer à être prof au Canada l'année prochaine. Oui, j'ai déjà trouvé un poste. Je vous expliquerai juste après comment j'ai fait pour trouver un poste. Mais en tout cas, oui, je continue à être enseignante là-bas. Je me suis mis ici en France en disponibilité. Donc, comme je vous avais déjà expliqué dans ma précédente vidéo make-up blabla, eh bien on peut se mettre en disponibilité pour plusieurs raisons. C'est un document à remplir au niveau de notre inspection et que ça soit validé. Donc moi j'ai demandé une disponibilité de droit, donc logiquement elle ne peut pas être refusée. Elle est, je crois, valable 1 an ou 2 ans, renouvelable. Faut que je regarde ça de plus près. Donc je... quitte pas l'éducation nationale puisque je reste professeur des écoles et si je reviens dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, je peux, voilà, je peux revenir tout à fait normalement. J'aurai plus mon poste ici, mais je serai toujours affectée en tant qu'enseignante dans l'Académie du Nord. Donc je pourrai retrouver un poste facilement ici. Mais voilà, c'est une dispo. Donc oui, je reste en disponibilité. Je continue à être prof. Et alors on m'a posé la question, je regarde mon petit carnet hein, pour les questions, mais est-ce que tu vas trouver sur place un travail ou si tu l'as trouvé en amont? Et est-ce que je garderai l'ancienneté de mon salaire? Et on m'a posé aussi la question, qui contacteras-tu, enfin qui contacter pour trouver du travail là-bas? Donc ça je vous le dirai juste après. Donc est-ce que j'ai trouvé du travail en amont? Oui, j'ai d'abord cherché par moi-même. D'ailleurs pour la résidence permanente, quand on a un métier qui est très recherché au Canada, bah, c'est beaucoup plus facile d'avoir des points supplémentaires. Parce qu'il y a tout un système de points dans la résidence permanente. Et le métier de professeur des écoles, ou en tout cas enseignant, professeur au collège, etc. est très recherché au Canada, puisque comme nous, il manque d'enseignants. Et du coup, on va dire que ça m'a fait exploser les points. C'est un peu grâce à ça qu'on a pu partir plus facilement au Canada. Donc j'ai décidé de trouver en amont un travail, parce que c'est vrai que je voulais pas arriver sur place et rien avoir. J'avais cette chance de pouvoir trouver en amont. J'ai d'abord été aux Journées Québec à Paris, où vous pouvez ainsi postuler pour des commissions scolaires qui viennent à Paris pour recruter. Mais il y a tous les genres de métiers hein, qui sont venus. Donc renseignez-vous sur les Journées Québec à Paris, ou parfois c'est en visio aussi. Donc renseignez-vous, je vous mets le lien en barre d'infos. Vous pouvez mettre votre CV en ligne, etc. pour que après les sociétés puissent... Enfin, il y a tout un système, c'est vraiment très très bien fait le Canada à ce niveau là, ils sont vraiment très très organisés et très vraiment au top au niveau papier. Et du coup j'ai postulé, j'ai eu 2 entretiens aux Journées Québec. Donc c'était un jour à Paris où je suis allée, je sais plus c'était quel jour d'ailleurs, mais... D'ailleurs j'ai rencontré certaines d'entre vous hein, qui m'ont reconnue et qui m'ont envoyé après des messages, c'était trop rigolo. Mais j'ai postulé pour 2 commissions scolaires, il y en a une qui m'a vraiment particulièrement intéressée et qui était dans le spécialisé. Je vous avoue que du coup dès le soir même il m'avait envoyé une offre d'emploi, une promesse d'embauche comme on dit, pour travailler l'année prochaine et l'année d'après avec eux selon le délai où j'obtenais mes papiers d'immigration. Et honnêtement j'ai trouvé ça dingue que le soir même j'ai déjà une offre d'emploi. J'ai postulé pour d'autres commissions scolaires toute seule via les sites internet, et j'ai été aussi embauchée dans la région de Québec. Donc la première La première commission scolaire qui m'a embauchée, qui m'a fait une offre d'emploi, c'était à Montréal. Et là, la deuxième que j'ai eue aussi, j'ai fait une visio, etc. Et ben, c'était pour Québec, la ville de Québec. Donc j'ai eu plusieurs offres. Honnêtement, vous pouvez postuler dès maintenant sur Internet et après partir. Il y a certaines commissions scolaires qui vous proposent du coup des contrats fermés pour pouvoir venir plus vite aussi sans passer par la résidence permanente. Et du coup, moi, j'avais déjà tous les papiers qui étaient faits. Donc ça a été un gros avantage pour moi. Donc, je peux vous dire officiellement que j'ai donc un emploi qui m'attend pour septembre, enfin fin août là-bas. La commission scolaire est vraiment adorable, celle que j'ai choisie. Ils sont vraiment très humains pour l'instant. Je suis vraiment très contente de toute la communication qu'il y a avec nous. Ils sont vraiment dans l'échange, dans la compréhension, dans... Enfin, ils savent que quand même partir de notre pays pour venir au Canada, même si c'est un choix, ils savent que c'est quand même difficile et ils font tout pour que ça se passe bien, pour que votre expatriation soit au top. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ils sont dans la communication, ils sont vraiment prévenants. Par exemple, pour vous dire, ils vont me trouver une école près de mon logement. Et ça, c'est exceptionnel, hein. Je viens d'arriver dans un pays que je connais pas, je postule à une commission scolaire, ils m'aident à trouver un logement, d'ailleurs j'en parlerai un petit peu après, mais ils vont m'aider à trouver un logement. Et en plus de ça, ils vont faire en sorte que l'école où je vais être rattachée, elle soit pas trop loin. Bah écoutez, que dire de plus, déjà là on m'a mis... je trouve qu'on m'accueille plutôt bien, donc vraiment à ce niveau-là, ça va être fou. Et pour parler de mon ancienneté, alors au niveau de l'ancienneté du salaire, oui... c'est même mieux pour vous dire, comment vous dire, on va pas prendre en compte votre paye que vous avez en France. C'est juste qu'ils vont compter toutes vos années d'études supérieures, plus vos années d'enseignement. Et tout ça va être mis dans un tableau qui est officiel au Canada. Donc tous les enseignants, ils ont ce tableau. C'est pour tout le monde pareil. Il n'y a pas les nouveaux arrivants, on va être mieux payés que les anciens, vous voyez. Là-bas, c'est tout le monde pareil. Vous avez un tableau avec l'ancienneté. Et selon ce tableau, on vous propose une grille de salaire qui est donc la même pour tout le monde, pour ceux qui arrivent avec tant de bagages avant. Vos années d'études comptent, et ça c'est pas négligeable, donc mon bac plus 5, etc., ça compte, et après mes années d'enseignement comptent. Donc il y a une sorte d'équivalence, il y a tout un tableau étudié, vous devez d'ailleurs avant de partir au Canada et faire toute cette procédure, faire valider vos diplômes, faire valider tout ça pour que ça soit pris en compte là-bas. Mais du coup au niveau du salaire, je serai logiquement, d'après ce que j'ai compris, un peu mieux payée qu'en France. Et alors vous m'avez demandé qui contacter quand on arrive là-bas ou si on cherche du travail. Comme je vous ai dit, il faut contacter les commissions scolaires. Il y en a plusieurs, c'est un peu comme les circonscriptions ici en France. C'est des commissions qui gèrent plusieurs écoles et c'est pas... Alors je sais pas trop comment c'est gouverné, est-ce que c'est gouverné par une sorte d'éducation nationale là-bas, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas je sais que c'est... Voilà, les commissions scolaires, c'est eux qui vous embauchent et qui vous prennent en tant que remplaçant ou pas, enfin voilà, qui vous proposent un poste. Et donc ça, faut postuler aux commissions scolaires. Ils vous font des entretiens d'embauche comme un travail ordinaire dans le privé ici. Vous avez un entretien, vous donnez votre CV, moi j'ai fait tout un portfolio, d'ailleurs si vous voulez une vidéo sur ce portfolio qui est, fait presque 100 pages, mon portfolio, mais j'ai dû suivre plein de trucs, j'ai essayé de faire un portfolio vraiment complet pour avoir une image de ma carrière, entre guillemets. D'ailleurs c'était très intéressant de le faire je trouve, et voilà, j'ai donné mon CV, mon portfolio, après j'ai eu des entretiens d'embauche, donc voilà, vous pouvez faire tout ça en amont, mais en tout cas ça se passe sur les commissions scolaires, sur les sites directement des commissions scolaires, peu importe où vous allez, au Canada, ou dans les... Après je connais pas la partie Ontario, la partie anglaise du Canada. Je vous avoue que moi je me suis cantonnée à la partie francophone, mais en tout cas voilà, vous tapez commission scolaire Canada, vous trouvez plein de choses. Troisième partie de cette vidéo, tout ce qui est logement. Vous avez été nombreuses à me demander mais comment avez-vous eu votre logement, votre futur logement? Alors on n'a pas encore trouvé à l'heure actuelle un nouveau logement, c'est en cours de recherche, on cherche de notre côté, mais notre commission scolaire a embauché une firme, comme ils appellent ça, pour nous aider à trouver notre futur logement. Donc c'est la commission scolaire qui paye cette société, qui va nous aider à trouver notre logement, qui nous aide à pouvoir aller à la banque, avoir un compte, etc. Ils nous aident aussi pour les papiers s'il y avait besoin. Donc nous, au niveau des papiers, on est clean, donc à ce niveau-là, c'est bon. Ils nous aident pour plein de choses, ils nous donnent des conseils, ils ont même créé un groupe WhatsApp avec nous pour pouvoir nous donner des informations au jour le jour. Donc c'est vraiment extraordinaire au niveau communication, je vous dis, c'est... rien à dire. Donc au niveau du logement, on n'a pas encore trouvé. Les loyers à Montréal sont très très chers parce que oui, si vous l'avez compris, je pars pour Montréal. Et donc ça, c'est à ce niveau-là, ça va être voilà, on va se débrouiller, mais ça va être intéressant. En tout cas, j'espère qu'on va trouver ce qu'on a un petit peu dans notre idéal, sans être dans des trucs un peu fous, hein. On voudrait, on verra. En tout cas, on a hâte de voir les propositions. Donc là, on attend que la société nous propose quelques logements pour pouvoir avoir déjà des photos, peut-être leur demander d'aller visiter pour nous. En tout cas, on fait tout ça à distance, donc c'est pas facile, mais ça va le faire, ça va le faire. Croisez les doigts pour nous. Et donc on cherche autour de Montréal, dans la banlieue proche de Montréal, ou même à Montréal. C'est vraiment, ça sera autour en tout cas de ma commission scolaire, dans des quartiers un peu familiaux. C'est plutôt un petit peu ce qu'on cherche, avec un peu de verdure, voilà, un endroit un peu sympa. On cherche pas dans Montréal, en plein milieu de Montréal, dans les boulevards. On cherche quelque chose un petit peu plus voilà, familial, pour être proche de tout, pouvoir accéder rapidement à Montréal, mais en même temps d'être dans une petite maison, quelque chose d'un peu cosy. On verra bien ce qu'on trouve, ça je vous tiendrai au courant dans les vlogs. Et la quatrième partie, qui est aussi une partie très importante, vous avez été nombreuses à me poser des questions sur ma famille ou mes enfants, leurs réactions, comment ça se passait. Donc je vais vous dire ça tout de suite. Donc comment l'ont pris les enfants? Donc on leur a annoncé juste après notre voyage au Canada, je vous renvoie vers mes vlogs au Canada de l'été dernier. Quand on avait pas mal visité le Canada, on leur a annoncé qu'on avait l'envie de partir au Canada et que bon, on n'était pas encore sûr si ça allait se faire, mais que voilà, on avait est-ce que ça leur dirait. On leur a posé des petites questions et eux, ils étaient vraiment trop contents. On s'est dit qu'on allait voir un petit peu aussi comment ça allait se passer dans la procédure d'immigration, mais en tout cas ils étaient vraiment très contents. Il n'y avait aucun, je dirais, ils n'étaient pas tristes de quitter leur école, même si cette année déjà je leur ai fait changer d'école, donc il y avait déjà un premier pas vers le changement. Donc honnêtement, c'est des enfants qui s'adaptent énormément, qui sont à l'écoute. Alors ils sont speed, mes enfants, mais ils sont plutôt contents des changements. Enfin, là je les vois très excités de partir, même si je sais que ça peut stresser un peu parce que ça va être vraiment de la grosse nouveauté. On va les rassurer au fur et à mesure, on va faire en sorte que ça se passe bien, mais en tout cas, ils l'ont très bien pris, ils étaient très contents. Ils sont encore dans des âges où c'est plus facile de partir, hein, je vous avouerai. Ils ont entre 5, 7 et 9 ans, donc c'est encore possible. C'est vrai que s'ils avaient été en pleine adolescence, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué, mais là, eux, ils l'ont très très bien pris. On m'a demandé aussi où vont-ils aller à l'école. Eh bien, ça dépendra du logement que nous allons trouver. Donc, dès que nous avons trouvé une maison ou un appartement, mais je pense que ça sera vraiment plus une maison, dès que nous l'aurons trouvé, bah, nous allons pouvoir les inscrire. Encore une fois, ma commission scolaire et la firme qu'ils ont embauchée va m'aider dans la procédure pour pouvoir faire les inscriptions, etc. Donc à ce niveau là ça va être cool, mais pour l'instant je ne sais pas encore où ils vont être, ça dépendra vraiment du logement. En tout cas, j'ai juste envie, j'ai hâte, et j'espère vraiment pour eux qu'ils vont pouvoir prendre les fameux bus jaunes, parce que ça c'est trop dans leur idéal, un peu le petit rêve, donc ça serait trop trop cool. Donc on m'avait posé la question s'ils sont déjà inscrits à l'école, et bien évidemment non. Logiquement, les inscriptions, si j'ai bien compris, c'était en mars au Canada pour l'année prochaine, mais nous, comme on n'a pas de logement, on ne peut pas inscrire. Donc j'espère que ça se passera bien, mais je pense que ça va le faire, j'espère, croisons les doigts pour que tout se goupille bien. On a foi en ce changement, hein, vraiment, mais là c'est vrai que c'est un peu vers l'inconnu à ce niveau là Même eux, ils ont des fois des questions par rapport à ça et on ne peut pas trop leur répondre, mais bon, je pense qu'on pourra, je l'espère, leur répondre dès que nous aurons trouvé le logement. Vraiment là c'est la clé. Maintenant qu'on a tous les papiers à ce niveau là, la clé c'est le logement. Est-ce qu'ils vont être dans mon école? Je ne pense pas, en revanche, ça je ne crois pas du tout qu'ils vont être vraiment dans l'école affectée à notre appartement ou à notre maison. Et donc moi je ne serai pas, je pense pas que je pourrais les faire mettre dans mon école comme j'ai pu le faire auparavant. Mais honnêtement, tant mieux. Je pense que ce sera mieux pour eux, pour moi, comme ça, parce que moi je suis pas sûre de rester plus un an, 2 ans, ça se trouve je vais changer dans un an d'école, donc je vais pas les faire changer d'école tous les ans, donc par précaution je les mettrai dans l'école qui est rattachée à la maison, et voilà, comme ça pas d'histoire. Et comment, la dernière question, c'est comment l'ont pris ma famille et mes amis. Honnêtement, ma copine Laetitia et mes amis ici l'ont plutôt bien pris. Laetitia était très très contente pour moi. Ma mère l'avait senti, elle m'a dit je sens que tu veux partir quelque part, je sens que tu vas déménager, donc elle l'avait pressenti, donc ça l'a pas surprise, elle est plutôt contente pour nous. Mon père est très très content aussi pour nous, même si à chaque fois en fait dans mes proches ou ma famille on nous dit ah ouais mais le Canada c'est pas à côté quoi. Bon après moi je reviendrai, hein, je sais déjà que je reviens au mois de décembre, donc vous voyez je reviendrai voir un maximum de personnes pendant que mes vacances ici, mais c'est vrai que je pourrais pas voir tout le monde parce que bah, j'ai des amis à Lille, j'ai des amis à Paris, donc je ferai au mieux, mais en tout cas pour l'instant autour de nous, tout le monde est plutôt ravi, content de cette nouvelle. Donc je sais que malheureusement peut-être que je m'éloignerai de certaines personnes parce que bah, la distance fera que les gens s'éloigneront, peut-être qu'ils seront tristes et me mettront de côté, je ne sais pas, honnêtement je ne sais pas, mais j'ai bon espoir pour que les gens viennent me voir au Canada et que moi je revienne les voir aussi ici, parce que je me dis que c'est aussi une occasion de venir nous voir, de découvrir le Canada et de pouvoir nous revoir au passage. Ça peut être un 2 en 1, donc c'est plutôt cool. Mais en tout cas à ce niveau là j'ai eu de très bonnes réactions autour de moi. Et j'espère juste que, je sais que là-bas on nous a prévenu qu'au bout de 2 mois on pouvait avoir une sorte de down où bah, on est un peu triste forcément d'être loin de notre famille, c'est plus un voyage, ça commence à être vraiment à perdurer. Et bon, on verra si j'ai ce coup de mou, vous verrez ça dans les vlogs encore une fois. Bon voilà, j'ai répondu à toutes vos questions que vous m'avez posées. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les mettre dans la barre d'infos, enfin dans la barre d'infos, n'importe quoi, à me les mettre plutôt dans les commentaires. Voilà, j'y répondrai dans une prochaine vidéo, dans un prochain vlog, j'essaierai de faire ça au mieux. Et je vous prépare une vidéo sur la résidence permanente, les détails de l'expatriation, comment on a fait exactement avec mon chéri. Voilà, pour une famille surtout, c'est ça qui est important. Et parce que ça change, parce que je sais que sur YouTube vous trouvez beaucoup d'informations pour les jeunes en PVT, mais pour les familles et les résidences permanentes c'est un peu plus difficile. Donc on vous racontera tout ça à temps venu. Sur ce, je file retourner à mes cartons parce qu'il est temps de vider cette maison et je vous lis dans les commentaires très prochainement. Allez, salut, gros bisous.